Salut à tous! Aujourd'hui, faisons un point sur l'entretien de votre machine expresso broyeur et notamment sur la chambre de percolation. Alors la chambre de percolation, qu'est-ce que c'est? Aussi appelée groupe café, la chambre de percolation est une pièce majeure de votre machine à café automatique. C'est là où le café va être extrait. Après avoir été broyé, le café va être compacté en galettes, puis traversé par de l'eau à haute pression, très chaude. Donc évidemment, qui dit extraction dit résidus de café et d'huile de café. Donc sans nettoyage, les huiles de café vont rancir et altérer à la longue le goût de vos boissons. Donc je vous conseille de nettoyer régulièrement cette pièce maîtresse de votre machine à café expresso. Pas de panique, l'entretien du groupe est franchement très simple. Selon les marques, vous allez pouvoir ou non accéder à la chambre de percolation. Si ce n'est pas le cas, la machine est programmée pour vous proposer des cycles de nettoyage automatique avec des pastilles dédiées. Dans les autres cas, vous avez accès à la chambre de percolation. Je vous conseille de la retirer, de la rincer sous l'eau tiède une fois par semaine, puis de la laisser sécher à l'air libre. Alors pourquoi l'eau tiède? Cela va permettre de nettoyer les résidus de café ainsi que les huiles qui ne partiraient pas à l'eau froide. Je vous déconseille d'utiliser de l'eau chaude parce que cela va retirer les graisses alimentaires qui permettent au rouage de fonctionner parfaitement. Pour un nettoyage en profondeur de la chambre de percolation, vous pouvez aussi utiliser des pastilles nettoyantes 2 à 3 fois par an. Voilà, j'espère vous avoir aidé. Si vous voulez avoir plus d'infos sur le nettoyage de la chambre de percolation, je vous ai écrit un article juste là. Abonnez-vous à notre chaîne si vous voulez découvrir toutes les vidéos qui viennent de sortir. Et enfin, si vous voulez avoir plus d'infos sur l'entretien de votre machine expresso broyeur, c'est par ici que ça se passe. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et je vous dis à bientôt et bon café !